Normalement, on dit pour réussir dans un domaine, il vous faut trois ingrédients. Il vous faut la compétence, l'argent et le cadre. Je pense au Maroc, aujourd'hui, les compétences sont abondantes. L'argent, on a plus ou moins le budget pour avancer. Et le cadre, à travers cette conférence, vous êtes en train de mettre le bon cadre. Vous êtes en train de créer la bonne plateforme qui va permettre justement de développer le domaine des énergies renouvelables au Maroc. Vous avez permis aux partenaires nationaux, mais aussi internationaux, de se retrouver ici, d'échanger par rapport au domaine des énergies renouvelables et de faire avancer les choses. Et je pense que c'est louable et je vous félicite énormément pour cet événement. L'IRSN, depuis sa création, essaie d'accompagner la stratégie énergétique nationale par rapport à tout ce qui est recherche et développement dans le domaine des énergies renouvelables. Et je pense que là, à travers cet événement, vous êtes en train quelque part de contribuer à cette dynamique qui a été créée à travers la nouvelle stratégie énergétique nationale qui a été lancée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et c'était notre motivation justement, parce que l'IRSN n'a jamais raté l'occasion de contribuer à la stratégie énergétique nationale. Et je pense que l'IRSN depuis toujours a été le bras droit du ministère de l'énergie par rapport à ce qui est recherche et développement dans les énergies renouvelables. Et ne s'absentera jamais lorsque l'occasion est là pour contribuer à l'avancement du domaine des énergies renouvelables au Maroc. C'est ce que je salue. Enfin, nous avons accompagné le Solaire Expo depuis la première édition à Marrakech. Et ce qui manquait justement, c'est cette composante scientifique. Maintenant, après l'avoir ajouté, je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait cela. Et je pense que vous avez comblé un vide qui était... Généralement, les événements au Maroc ne traitent pas forcément la partie scientifique, et c'est ce qui manquait. Et je pense qu'à travers l'ajout de cette composante, vous avez contribué au développement d'une bonne partie d'un bon pilier des énergies renouvelables. Je reviens et je dis encore, chaque domaine, à ce moment, il est basé sur trois piliers. La formation, business creation et la recherche et développement. Et là, vous vous êtes positionné vraiment sur les trois piliers à travers votre événement.